Je parlais tout à l'heure de cet accident de, de cheval qui a déterminé vraiment le, la suite de mes travaux, euh, pas seulement dans la vallée sacrée, on peut même dire euh, mes travaux en, en anthropologie. Euh, J'ai donc été, euh, comme je le disais, à la suite de cette chute, euh, quand je descendais des, des tombes euh, que je considérais comme des tombes inca, euh, très innocemment, et qui étaient en fait... Les tombes des ancêtres préhumains de, de cette communauté. J'ai donc été traitée par euh, Dom Mariano. Et alors, le, le diagnostic. Euh, c'est drôle parce que ces médecins font des diagnostics un peu comme ils ont tous consulté plus ou moins euh, des médecins de ville, des hôpitaux, ils font des, des, choses, euh, des choses combinées. Euh, le, par exemple, pour le diagnostic, moi, bon, on m'a fait un diagnostic par la colpa. La colpa, c'est un espèce, c'est un. du nitrate de je sais pas quoi, j'ai oublié, mais qu'on qu met dans l'urine du malade. C'est-à-dire qu'ils copient finalement les analyses d'urine qui font dans les. Dans les hôpitaux, euh, dans leurs trucs à eux, vous voyez. Et alors, dans la, la Krolp a produit une espèce de, 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 de mousse dans l'urine, dans lequel ils voient euh, les esprits qui vous ont saisi et le mal qui vous a saisi. De la même manière, un, un, autre, type de, un autre type de diagnostic très, qui est assez intéressant et qu'on m'a pratiqué, c'est avec des cochons d'Inde. Ils ont, ils élèvent le, les gens élèvent des cochons d'Inde chez eux, il y en a partout. Quand vous dormez chez un paysan, euh, vous êtes dans votre sac de couchage en mitouflé, vous avez des cochons d'Inde qui, qui circulent sur votre sac de couchage en faisant coui 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 toute la nuit. Avec des, ils ont des yeux rouges personne, dans la nuit. Euh, alors, les, les cochons d'Inde, euh, ils, ils, ils écorchent un, un cochon d'Inde, les couilles, on appelle en, en quechua. Euh, alors d'abord, ils vous passent un, un cochon d'Inde vivant sur tout le corps. Ils vous frottent le corps avec l'animal, oui, oui, qui, qui est vivant et qui gigote. Tout, une fois qu'ils ont passé sur tout le corps, ils l'écorchent, ils enlèvent la peau de l'animal vivant, ce qui est assez éprouvant. Et euh, dans, le, dans la peau, ils il regardent dans la peau de l'animal écorché le mal qui est passé de votre corps dans la peau. Euh, on verra tout à l'heure l'importance de la peau dans, dans la symbolique. Enfin bref. Euh, dans, ils tendent la peau de l'animal et ils voient dans les configurations de la peau euh, le mal que vous avez et ils font le diagnostic de cette manière. On verra ce que font les néo-indiens avec ça tout à l'heure. Mais ça, évidemment, c'est quelque chose qui, qui est tout à fait traditionnel. Enfin, il y a le, le passage de votre mal sur le corps de l'animal. Tout l'aspect liminal de la peau, des couilles, de la, des, des animaux, des cochons d'Inde, et le fait qu'ils ont vu faire ce geste avec la radio, dans les hôpitaux où ils ont été, le médecin, ils ont vu les radiologues qui saisissent la, la, la radio et qui la mettent à la lumière, et ils vous disent voilà, vous avez un mal au poumon, vous avez mal à ceci, vous n'avez rien. Eux, ils font pareil, ils tendent la peau de, du cochon d'Inde, ils disent tu as ceci, tu as ceci, tu as cela et avec cette, justement cette merveilleuse combinatoire qu'ils font de choses qu'ils voient dans des cultures différentes, n'est-ce pas Donc là, le, pour moi, le diagnostic était fatal. Mon âme était partie dans les, dans les montagnes. Dans, ce sont des gens qui pratiquent le culte des montagnes, des sommets, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Et euh, en revanche, euh, mon corps était, euh, j'avais à l'intérieur de mon corps maintenant les ancêtres maléfiques, sous leur forme maléfique, qu'on appelle le Sochamachu. le Sochamachu est les, le côté si vous voulez l'esprit maléfique de l'ancêtre, qui se loge en particulier, qui vient, qui vient d'un mythe. En fait, quand le, quand le soleil apparaît, on passe de l'air présolaire à l'air solaire, qui est d'ailleurs il y a une espèce de télescopage avec l'arrivée du Christ. Et l'arrivée des, des Incas, n'est-ce pas Il y a une sorte de télescopage entre l'apparition du soleil, l'émergence de Jésus-Christ, l'émergence de l'Inca, dans une ère, dans un, une frontière entre le pré-solaire et le solaire. À ce moment-là, certains Matous préhumains, se réfugient dans les grottes que je venais de visiter. Épouvantable Donc, ils se réfugient dans ces, dans ces grottes et là, se sont protégés du, du feu solaire qui a brûlé tous les préhumains. humains Certains sont restés là. Et euh, ces, 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 ces préhumains qui sont restés là sont euh, pénétrés d'un esprit complètement maléfique, euh, parce que, évidemment, le préhumain a un côté bénéfique, d'ancêtre bénéfique, le machu, de, de, de généalogique en quelque sorte, mais un côté euh, maléfique sous forme de Socha Mathieu, qui se manifeste quand vous n'avez pas fait les rites nécessaires pour aller leur rendre visite, ce que je n'avais évidemment pas fait. Par ignorance. Donc c'était ça mon ma faute. Là aussi ça fait, on peut réfléchir sur le métier d'anthropologue toutes les gaffes qu'on fait euh, par mes connaissances et par euh, bon. Et donc ce qui m'attendait, si vous voulez, c'était que mes articulations allaient s'ouvrir, les épaules, les poignets, les genoux et surtout les chevilles. Or le mal que j'avais, euh, je m'étais fait une entorse en fait. Et là, j'ai décidé euh, que j'allais pas aller à Cusco voir un médecin et que j'allais me laisser soigner par euh, les médecins locaux. Alors, ils m'ont passé des tas de produits absolument répugnants, etc. Mais ce qui m'attendait, c'est que mes articulations s'ouvrent et par ces articulations allaient sortir les os des préhumains déchiquetés sous forme de, de petits os jaunes, euh, en fait. Euh, c'est probablement, ils avaient vu des momies il y a très très longtemps dans ces cavités euh, incaïques. Et si vous voulez, c'est une élaboration à partir de ces momies, et surtout une élaboration à partir du fait que les missionnaires ont dû leur dire que ces grottes étaient mauvaises, maléfiques, parce que païennes et non chrétiennes. Donc une élaboration à partir de tout ça. Et de leur obsession avec des articulations dont on, on parlera tout à l'heure et avec la peau. Donc, ce qui m'attendait, c'était ça, de, de voir peu à peu sortir euh, les os des ancêtres. Et donc, il fallait absolument me faire soigner. Il ne fallait pas hésiter. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et euh, de cette cure qui a duré toute une nuit, euh, faite par Dom Mariano, j'ai. Euh... Alors, il y avait Dom Mariano il y avait euh, cet ami avec qui j'étais montée euh, dans les grottes. Qui lui était chargé à la porte de la maison avec un fouet de euh, surveiller que d'autres préhumains ne rentrent pas dans la pièce où ça avait lieu. Bref, de cette cure que j'ai dégagé, évidemment, une information absolument fantastique. D'abord, j'ai découvert une autre communauté, une communauté de pensée, si on peut dire, en quelque sorte, c'est-à-dire tout un monde. Euh, Cosmologique, enfin tout, cosmique, cosmologique, euh, toute une mythologie, euh, des rituels, une médecine traditionnelle euh, extrêmement riche, euh, euh, toute la cure qu'on avait fait sur moi, sur mon corps, euh, euh, et, et surtout à quel point la cure que je venais de subir était liée euh, aux causes de, de ma maladie et finalement à une partition, euh, à une cosmologie, à une partition de l'espace. Et c'est ce que je me suis mise à étudier, c'est la représentation de, de l'espace à partir de, de cette cure. Euh, J'ai découvert comment, si vous voulez, les, les cavités où, qui, qui, où, où le Sohra m'avait pris, ces, ces cavités incaïques, ces tombes des ancêtres préhumains, faisaient la part, si vous voulez, de deux catégories de l'espace et du temps. Le temps d'avant euh, le soleil, le chaos, le temps, de le, le temps et l'espace de la nature, j'ai découvert à ce moment-là des entités des, des êtres surnaturels qui se baladaient dans ce dans cet espace des têtes volantes de femmes qui étaient prises dans les ronces et qui criaient que, que la nuit c'est le, le monde du condenado, le condenado qui vous qui est une sorte de cannibale qui monte et descend la montagne pour expier le péché d'inceste donc du côté de la nature n'est-ce pas euh, commis quand il était humain et qui est condamné comme ça à une espèce de sisyphe incestueux, vous voyez. Euh, donc, tout un espace de la nature, euh, présolaire, et euh, en revanche, un fond de vallée, le temps de la culture, avec des légendes qui mettent en scène des princesses Incas, des, con des conquistadors espagnols, le marquis de ceux-ci et ses propriétés. Enfin, des, vraiment des, des, une mythologie dans la culture et dans l'histoire. Et entre les deux, eh bien j'avais quoi ben Les préhumains qui font, parfaitement logique, qui font le lien entre l'humain et le préhumain au-dessus. Au-dessus, la catégorie de la nature et en dessous. Et donc j'ai fait toute une, une étude, de si vous voulez, de à l'époque, on ne savait pas encore à quel point les, 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 les Andins étaient, sont des structuralistes nés. C'est là où ma formation à la place, ma démarche structuraliste, trouvait vraiment un terrain d'entente fantastique, puisque là, il y a vraiment une homologie de structure entre les deux espaces, avec la médiatisation des tombes des préhumains, les deux temps, avant l'apparition du Soleil, après l'apparition du Soleil, avec la catégorie médiane. Euh, du Soleil, Christ et Inca, hein, qui fait le, à chaque fois la part entre un avant la civilisation et un après. Le, les, les, les catégories euh, de mon corps, l'intérieur de mon corps où se logeaient les, les, les eaux des préhumains, et l'extérieur avec ma peau euh, percée par l'infraction que je venais de commettre, euh, là aussi une catégorie intermédiaire. Euh, le, le, ça, c'est plutôt l'étiologie, n'est-ce pas, une, 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 une structure dans, dans l'étiologie, et même une, une structure homologue dans la désignation euh, du médecin, puisque le, le chaman andin est désigné par la foudre, laquelle foudre, les gens vous disent, quand elle tombe sur la terre, c'est un rayon de lumière qui fait un lien entre le ciel, et euh, la Terre, qui, qui est un, un lien euh, d'univers, si vous voulez. Donc une homologie de structure entre l'espace, le temps, l'étiologie, la cure et même euh, la désignation du chaman, que j'ai découverte à ce moment-là. En même temps, euh, là j'ai entrepris, évidemment, de, de, de faire euh, une anthropologie euh, du rituel. Euh, j'ai découvert... Euh, que cette, si vous voulez que cette homologie de structure s'étendait encore plus loin que je ne pensais plus que le village dans lequel je vivais à yukai était divisé entre, en deux moitiés la moitié haute et la moitié basse avec une catégorie euh, intermédiaire euh, où se trouvait la mairie du, du village euh, qu'il y avait donc des j'ai découvert qu'il y avait un rituel très très important le rituel de la Pentecôte, dont je parlerai peut-être euh, euh, tout à l'heure, euh, qui consistait en une. Euh, enfin, ce qu'il faut vous dire, c'est que euh, au dessus de ces euh, de ces tombes, un cas euh, domaine des ancêtres, vous avez au dessus ce qui montre bien le, le rôle qu'a dû avoir la christianisation dans les dans les élaborations que je suis en train d'analyser. Il y avait des croix, sept croix disposée au-dessus euh, de ces grottes. Cette croix, euh, la moitié d'entre elles, trois de la moitié Urai, trois de la moitié Wichai, haut et bas du village, ça ne s'invente pas, avec au milieu Cruz Calvario, la croix qui est le chef des croix, c'est-à-dire la croix majeure, qui est en tête des processions, qui est alors ces croix, ce sont des croix euh, tout à fait euh, andines puisqu'elles ne portent pas euh, loin de là le Christ, mais elles sont ornées de tissus et d'objets en argent. Euh, ces croix sont comme des totems, si vous voulez. Hein. Il y a vraiment un contenu euh, tout à fait euh, autre. Et j'ai découvert peu à peu que ces croix, euh, dans ce grand rituel de la Pentecôte, je reviendrai tout à l'heure parce que euh, euh, c'est un... Euh, enfin, ça m'a... Ça, ça, ça ça m'a donné un, une piste de recherche euh, tout à fait di différente sur le rapport au passé. Mais enfin bref, dans ce rituel de la Pentecôte, vous avez en fait euh, cette série de croix, trois pour chaque euh, moitié. J'ai pu démontrer qu'elles correspondent en fait à des groupements de quartiers à l'intérieur des moitiés qui sont reliés à des lignages préhispaniques. J'ai découvert, alors en même temps, moi je m'étais mis... Euh, pff, je ne sais pas comment. Je, je m'étais mis à, à travailler sur les archives parce que je, je, je pensais que euh, c'était une réaction un peu, un peu naïve, qu'en faisant l'histoire de cette communauté, j'allais apprendre des tas de choses. Et j'ai voulu m'improviser historienne en allant dans des fonds d'archives à Cusco. Euh, ça aussi, je peux raconter des choses assez, assez drôles sur ces, ces fonds d'archives et sur les rapports. Euh, parce que ce sont des ecclésiastiques, en, fait, en particulier des archives de l'archevêché. Et euh, là, j'ai commencé à faire. Alors, en faisant l'histoire de ce. Finalement, ça, ça a été quand même utile, puisque j'ai découvert, si vous voulez, le document de réduction des lignages dispersés dans la région, dans le village de Yukai. Et donc, euh, j'ai découvert. Alors ça c'est Eureka vraiment les grands moments les grands moments, euh, les grands moments de, des chercheurs. Euh, j'ai découvert que euh, ces lignages étaient localisés dans le village. Bref j'ai fait un lien entre les Aïlu qui ont été euh, euh, réduits à Yukai euh, au début du XVIe siècle par Damien de la administrateur l'administrateur, et euh, les Croix et j'ai montré comment les Croix des différentes quartiers représentaient finalement les anciens lignages réduits dans le village. Là pour moi ça a été vraiment une, une découverte et euh, comment si vous voulez les rituels de montée et de descente des croix finalement étaient une commémoration j'en parlerai tout à l'heure dans, dans, dans quand je parlerai du rapport au passé de cet événement euh, majeur euh, j'ai découvert ça et euh, euh, en même temps, je me suis, euh, je me suis intéressée à, donc à la, au fonctionnement de ce rituel. Ce rituel fon fonctionne par euh, des, des systèmes de charges dont je parlais tout à l'heure pour chacune de ces croix. Et donc, les charges de chacune de ces croix regroupaient, en fait, les membres des Aïlou qui ont disparu et qui sont devenus des quartiers. Voyez. Donc, vous voyez par quel biais les, 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 les gens s'accrochent, euh, pas s'accrochent, mais parce que ce n'est pas s'accrocher à une culture comme des naufragés, hein. C'est vraiment euh, réinventer euh, des formes nouvelles pour vivre une culture qui a été persécutée, qui a été, pour revivre des lignages qui ont été réduits, euh, commémorer un événement, j'en parlerai tout à l'heure, reproduire finalement tout simplement, euh, reproduire une culture. Hein. Voilà comment une culture se fait avec euh, ce que vous donnez. À ce moment-là, je, je, je reviendrai sur ce rituel parce que c'est un rituel qui est beaucoup plus riche que ça. Il permet euh, en particulier, euh, si je peux en parler peut-être tout de suite, ça nous fera une, une économie de temps tout à l'heure. Euh, si vous voulez, j'ai fait, fait à travers l'étude de ce rituel une, une incursion dans un domaine tout à fait euh, un peu différent, c'est le rapport que les sociétés entretiennent avec le passé. Et euh, à l'époque, j'ai réfléchi dans le cadre d'un de, de, séminaire de Marcel D'Etienne à la Sorbonne avec euh, euh, quelqu'un comme François Artoc sur les régimes d'historicité, les formes... Les formes Diverses que qu'ont les sociétés de se lier à leur passé. Et là, si vous voulez, j'avais, euh, à travers ce rituel et cette découverte, hein, que ce, finalement, la manipulation des croix était en train de. par des descentes et des, et des remontées de croix dans les montagnes. Parce que bon, le, le rituel consiste en ceci qu'on va chercher les croix, aïlou par peut-être quartier par quartier, on les descend dans le village, on les emmène en procession. À l'église, au centre donc de, où se trouve la croix avec le Christ, comme pour aller finalement la recharger en christianité, avant de revenir dans les sommets au-dessus des tombes pré-Incas. Pré vous avez là deux strates, vous avez les Incas et les croix au-dessus, une illustration vraiment de l'histoire. Hein. Et à travers cette manipulation de descente de croix et de remontée des croix, euh, j'ai montré comment finalement les habitants de Yucay commémoraient un événement. Et cet événement, c'était la réduction euh, des aïllus, des lignages préhispaniques euh, dans le village. Donc là, il y a un truc très intéressant, euh, puisque nous sommes en train d'observer de, euh, de, de, une société qui raconte un événement sans un mot, parce que c'est moi qui étais leur dire, vous savez, euh, voilà ce qui est arrivé dans ce village, il a été réduit, etc., pas un mot, évidemment, d'un événement qui est arrivé en, en 1572, je crois. Pas un mot. Et cependant, des gestes de descente et de remontée de, de, ce, que, de ce que sont finalement les symboles des Aïlu. Donc nous avons euh, là euh, un discours historique transmis par le rituel. Nous avons un rituel qui raconte une histoire. Nous avons un rituel qui raconte un événement, l'événement de la réduction. Et donc, je me suis un peu penchée sur des rapports particuliers euh, à l'histoire, en particulier euh, comment les, les travaux de Marshall Salins, Islands of History, et euh, les, le, le malentendu historique, euh, ce, qui, ce qui représente un événement pour l'arrivée de Cook, qui représente un événement, n'est-ce pas Qu'est-ce qu'un qu qu événement pour une société et euh, là, j'ai pu observer, de, par ailleurs, je me suis intéressée évidemment à euh, ce qu'on euh, qu appelle une performance discursive, c'est-à-dire un, un rituel, une performance qui, euh, qui agit. Hein, D'après les, les travaux de, de Austin que je, et de Tambaya, que je ne résumerai pas ici, euh, vous savez ce que c'est qu'un discours performatif. Un discours performatif, le « oui » des mariés. Voulez-vous euh, prendre pour, euh, pour femme une telle Oui, discours performatif qui, qui signe le mariage. Eh bien, moi, j'avais, euh, en, en revoyant euh, tous les travaux sur le discours performatif, je me suis aperçu que finalement, j'avais ici, dans le, dans le cadre du, du rituel de Yukai, exactement l'inverse, une performance discursive. J'avais une performance rituelle... Très complexe avec des, des, des manipulations de croix qui n'en sont pas, n'est-ce pas Une transformation de croix en autre chose, une manipulation finalement, une performance rituelle discursive qui racontait un événement sans un mot sur l'événement. Et donc j'ai euh, réfléchi à ça euh, dans un séminaire, avec, dans le séminaire de Marshall Détienne sur les, la, la conscience historique. Euh, où j'essayais de montrer que tout ce qu'ils faisaient dans leur séminaire il est, est sur l'hélénisme, n'est-ce pas Là, on avait une conscience hist historique euh, sauvage, entre guillemets, qui fonctionnait à travers le rituel. Vous verrez que j'ai euh, repris. Euh, et, et là, j'ai déterminé un, un régime d'historicité très particulier euh, dans lequel l'histoire se fait à travers le rituel. Et j'ai découvert que les Andins. Euh, racontent leur histoire essentiellement à travers le rituel, sur plusieurs euh, rituels, sur plusieurs périodes. Et en, en, en ce moment, j'ai sous presse euh, à Lima euh, tout un livre qui s'appelle Ritos Andinos e Historicidad, Rites andins d'Historicité, où je reprends tout mon travail, de fait, en, pendant toute ma, ma carrière, en voyant dans les rites que j'ai étudiés des étapes de l'histoire des Andes. Voilà. Alors, c'est une période... Euh, euh, C'est une période où je, je vous parlais de. À mesure que. Vous avez vu comment, à mesure que j'avançais dans la connaissance de la sociologie euh, et que je pénétrais vraiment dans, au cœur de cette communauté, je suis passé peu à peu de l'ordre social à l'ordre cognitif, en quelque sorte. Hein. Et euh, l'ordre cognitif dont je viens d'énoncer euh, une chose essentielle, n'est-ce pas euh, La perception du temps, la perception de l'espace. Et euh, j'ai poursuivi dans ce euh, j'ai poursuivi dans ce sens par euh, une étude de la euh, une étude ah oui parce que je ne vous ai pas dit que euh, le terroir de la communauté de, de Yukai est euh, porté par euh, des terrasses incaïques donc, ce n'est pas un hasard s'il y a ces incas qui sont présents dans, dans ces grottes hein, sous forme de préhumains. il y a, c'est le fait que juste en dessous de ces grottes, le, le, le terroir dévale la vallée sous forme de terrasses absolument magnifiques, dont je pourrais peut-être vous donner des photos euh, superbes, et qui sont euh, à la fois un terroir agricole pour la communauté, où on fait des. On cultive du maïs, des légumes et des fruits, et un site archéologique, puisqu'il est répertorié comme site archéologique. Et il euh, y a un type qui garde plus ou moins. Il euh, y a un fonctionnaire de ministère de la Culture qui est là, mais il n'y a, a pas véritablement de fouilles, heureusement pour moi, parce qu'on m'aurait chassé. Et euh, sur ces terrasses incaïques absolument superbes, j'ai mené un, une recherche. J'avais remarqué quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille, euh, c'est que euh, les paysans désignaient par un lieu différent euh, tous les 5 mètres. Enfin, il y avait une quantité de toponymes absolument extraordinaires. Et donc j'ai résolu, euh, avec mon enthousiasme de l'époque, d'en faire une étude systématique. J'ai trouvé. Euh, j'ai trouvé euh, une photographie euh, aérienne. J'ai eu beaucoup de mal d'ailleurs parce que les militaires ne euh, voulaient pas me la donner. Il y avait une zone de guérilla qui n'était pas loin. Et euh, j'ai reporté euh, des toponymes que j'ai recueillis pendant des mois et des mois et des mois en marchant dans les, dans les terrasses avec des informateurs. Euh, j'ai recueilli euh, sur un espace très très limité de, euh, 370 toponymes. Euh, et j'ai étudié l'ordonnancement de ces de, de toponymes avec l'idée euh, fondamentale qu'ils n'étaient pas mis au hasard et que il devait y avoir dans les terrasses de Yukai une structure. Bah, C'était vraiment l'époque le, le, euh, d'explosion des structures. Euh, on en cherchait partout. Moi, j'en cherchais même dans les terrasses de Yukai. Et figurez-vous que j'en ai trouvé puisque euh, euh, j'ai... J'ai fait une étude de, de ces toponymes, pas seulement euh, en tant que structure euh, euh, contemporaine et synchronique, mais également sur la longue durée, puisque j'ai. Et là, là je dois dire que mes, mes travaux sur les, dans les archives m'ont été utiles. J'ai retrouvé ces toponymes dans des archives, donc des toponymes qui existaient déjà au XVIe siècle et qui avaient donc une très très longue durée. Les toponymes, c'est très intéressant. C'est l'une des choses qui dure le plus et qui est le plus reproductible, simplement parce que ça sert aux gens à se repérer. Et il faut bien conserver les mêmes, sinon on s'y perd, vous voyez. Donc là, j'ai retrouvé ces to toponymes là, et j'ai dégagé euh, une structure, là aussi, dualiste, en, avec un, un, un bas féminin, des toponymes référencés comme féminins, des, to des toponymes dans la moitié du haut référencés comme masculins. Alors, quand je dis référencé, par quoi par l'étymologie du toponyme, par la mythologie qui est reliée à ce toponyme, et euh, par, euh, par des rituels aussi, mais surtout par des légendes, et avec une ligne médiane entre euh, le haut et le bas, euh, caractérisée par des phénomènes surnaturels, et en particulier par des visions que les gens ont dans cette catégorie. C'est une catégorie chaotique entre le haut masculin et le bas féminin, où se passent des phénomènes surnaturels et en particulier une activité visionnaire, dont je vous parlerai peut-être plus tard, parce que ça, fait, ça a fait l'objet de, de tout un pan de mes recherches sur les visions dans la société andine.